véhicule d'assistance. Les petites voitures jouent avec un ballon. La rouge, la verte et la jaune. Oh, le ballon a touché un arbre. Il a éclaté. Une branche l'a crevé. Un ballon à plat, c'est drôle, mais on ne peut pas jouer avec comme ça. On va le réparer. Qu'est-ce que c'est? La voiture rouge regarde une montgolfière dans le ciel. Hé, allons-y! Nous devons regonfler le ballon et reboucher le trou. Nous allons pouvoir le faire à l'atelier de réparation. Toc, toc, toc! Le manipulateur est au travail. Bonjour! Entrez, s'il vous plaît. Le manipulateur prend une boîte à outils. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. De la colle et un morceau de tissu. Nous allons en faire une rustine. Comme ça. À présent, il n'y a plus de trou. Mais le ballon est toujours à plat. Voici une pompe. Nous devons remplir le ballon d'air. Bien joué! Et nous pouvons à nouveau jouer au foot. Mais la voiture rouge ne veut pas jouer au foot. Elle veut voler dans une montgolfière. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette boîte, il y a des ballons gonflables. Les voilà! Essayons de gonfler le ballon bleu. Il ne vole pas. Sais-tu pourquoi? Il faut le remplir d'un gaz spécial appelé hélium. On essaie? Il y a de l'hélium dans ce réservoir. C'est un gaz plus léger que l'air. Regarde, le ballon s'envole. Les voitures sont ravies. Elles ont gonflé beaucoup de ballons à l'hélium. Beaucoup. Et elles ont attaché une nacelle au ballon. La nacelle monte. La voiture rouge a sauté dedans. Tu es trop lourde. L'hélium ne va pas te soulever aussi facilement. Comment volent les vraies montgolfières? Les voitures ont décidé de le découvrir. Ici, les véhicules d'assistance assemble et envoie de grosses montgolfières dans le ciel. Une nacelle pour les passagers est fixée à chaque ballon. Et voici la toile d'un gros ballon. Le chiot est déjà en train de décoller. Il salue les voitures. Voici une autre montgolfière que les véhicules d'assistance viennent d'assembler. Ces brûleurs chauffent l'air. Puis, juste après, la montgolfière décolle. Les voitures, sautez dedans! Enlevons le poids. C'est parti!
Ces montgolfières sont magnifiques! Maintenant, les véhicules d'assistance peuvent retourner dans leur garage. Nous le découvrirons bientôt. En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. La pelleteuse travaille depuis ce matin. Un nouveau tuyau a été posé. Et il faut beaucoup de terre pour remplir le fossé. Les petites voitures de course roulent sur la piste depuis ce matin. Regarde comme elles sont rapides et agiles. Oh, faites attention! Il ne faut pas doubler les gros véhicules sur une route étroite. Quelle horreur! Ah, le camion Ben s'est renversé! Les balles se sont répandues partout. Oh! Non, même la forte pelleteuse n'arrive pas à soulever le camion Ben. Elle va avoir besoin d'aide. Nous allons voir les véhicules d'assistance dans leur garage. Véhicules d'assistance, sortez! S'il vous plaît! Ils nous ont entendus. Bulldozer, camion-grue, allez dans le fossé que la pelleteuse est en train de remplir. Un énorme camion s'est renversé et personne ne peut le relever. Le camion-grue et le bulldozer se dépêchent d'aller aider le camion Ben. Le puissant camion-grue tend son bras de grue. Il a légèrement soulevé le camion et la pelleteuse l'a retourné. Excellent travail! Maintenant, rassemblons les balles. Le bulldozer le fait avec sa lame. La pelleteuse ramasse les balles et les dépose dans la benne du camion. Son godet est grand, donc la pelleteuse travaille très vite. Il ne reste que deux balles. Une. Deux. Le camion peut partir. Merci beaucoup à tous. La pelleteuse continue son travail. Elle a presque rempli le fossé. Thank you.
le dernier chargement. Le bulldozer aplanit le sol. Le camion Ben peut enfin livrer les balles. Il soulève la benne, les balles tombent dans la piscine. Hourra ! Les petites voitures peuvent descendre le toboggan. La voiture bleue plonge en premier. Maintenant, c'est au tour de la voiture rouge. Comme c'est amusant de jouer! Les véhicules d'assistance ont fait leur travail et ils retournent au garage. À la prochaine fois! En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Le chiot joue avec un os en caoutchouc devant sa niche. Que veut-il en faire? Il veut probablement le cacher dans un trou. Le chiot est en train d'enterrer son trésor. Oh, c'est quoi ce truc jaune dans le sol? Essayons de le déterrer. Une roue et un pare-choc. Ce sont des pièces de voiture. Si une voiture entière est enterrée sous le sol, alors le chiot ne peut pas la sortir tout seul. Les véhicules d'assistance quittent leur garage. La pelleteuse, le camion rue et la dépanneuse. Véhicules d'assistance, votre mission aujourd'hui est d'aider le chiot à déterrer une voiture. Les voitures suivent le chiot. Vous devez creuser ici. La pelleteuse a fait le travail rapidement. Elle a déterré la voiture. C'est maintenant au tour du camion rouge. Il déploie son bras et abaisse son crochet pour sortir la voiture du sol. Ah ! Quelle belle voiture ancienne ! Réparons-la. La dépanneuse conduit la voiture à l'atelier de réparation. Qu'est-ce qu'il y a là, petit chien? Un volant. La voiture ne fonctionnera pas sans son volant. Le chiot se rend lui aussi à l'atelier de réparation. La dépanneuse est déjà à l'atelier de réparation. Dépêche-toi, petit chien. Pour réparer la voiture, il la soulève sur une grande plateforme. C'est très intéressant à regarder. Une brosse spéciale pour nettoyer la roue. Il nous faut de la peinture. Laquelle choisir? La violette.
Peignons la voiture et elle sera comme neuve. Magnifique! Mais il manque toujours les roues avant de la voiture. Celle-ci est trop grande. Celle-là aussi. Mais la troisième convient. Fixons le pare-brise. Et le volant que le chiot a trouvé. Et voilà! Petit chien, tu veux faire un tour? C'est parti! La voiture ancienne roule rapidement sur la route. Le chiot aime faire des tours de voiture. La pelleteuse a déjà rempli le trou d'où le camion grue a sorti la voiture. Le chiot peut à nouveau jouer devant sa niche et cacher son os. Merci les véhicules d'assistance! Nous aurons certainement un autre travail à vous confier bientôt. Des machines, machines, des roues et des cabines se déplacent joyeusement en klaxonnant. Appelons les plus forts. Des machines, des machines, des phares, des pneus, une cabine. Véhicules d'assistance. Il y a un petit bateau qui navigue sur la rivière. Le capitaine Petit Chien est à la barre. Tu vois quelque chose? Oh, est-ce une vieille roue? La voiture entière est dans l'eau. Qui peut nous aider à la sortir? Le petit chien demande de l'aide au véhicule de construction. La pelleteuse, le camion grue, la dépanneuse et le pick-up sortent du garage. La dépanneuse et la grue se dirigent vers la rivière. Le camion grue déploie son long bras. Il utilise son gros aimant pour soulever le véhicule submergé. C'est un vieux chariot élévateur à fourche. Il est vraiment sale et la cabine est pleine d'eau. La dépanneuse emmène le véhicule cassé à l'atelier de réparation. Le bateau peut reprendre sa navigation. Capitaine Petit Chien, en avant toutes! Voici l'atelier de réparation. Voyons ce que nous pouvons faire avec le chariot élévateur. La pelleteuse a mis le chariot élévateur sur la plateforme. Sa chaîne est toute rouillée. Ses fourches sont tordues et ne montent plus. La roue fait des saccades quand elle tourne. Démontons le chariot élévateur. Nous allons enlever les pneus. Ils sont peut-être sales, mais ils fonctionnent encore. Nous gardons le moteur. Il a l'air encore neuf. Enlevons aussi le volant. Assemblons le nouveau chariot élévateur. Le moteur va sous le capot. Les fourches vont à l'avant. Et voilà! Nous n'avons plus besoin de la vieille carrosserie rouillée. Cet aimant puissant va la déposer dans un broyeur spécial.
Maintenant, nous avons de la ferraille que nous pouvons recycler et réutiliser. Regardez, le capitaine Petit Chien a débarqué. Le pick-up lui a apporté des caisses de fruits. Il faut les décharger. Quel véhicule pourrait le faire? Notre nouveau chariot élévateur. Il fait un travail formidable. Le chariot élévateur a chargé toutes les boîtes sur le pont du bateau. Merci. Le petit chien peut repartir. Je me demande où il emmène ces délicieuses pommes. Les véhicules d'assistance retournent à leur garage. Ils ont terminé leur travail pour aujourd'hui. Il est temps de faire une pause. En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Voici un avion cargo. Les véhicules empruntent la rampe et montent dans l'avion. La rampe remonte. Le moteur de l'ado tourne. Il est prêt à décoller. Il se dirige vers la piste de décollage. Il est temps pour l'avion d'accélérer et de s'envoler dans le ciel. Le temps se dégrade. On dirait qu'il va y avoir un orage. Ah ! Un éclair a touché le moteur. Ils doivent retourner à l'aéroport pour obtenir de l'aide immédiatement. Les véhicules d'assistance quittent leur garage. Le remorqueur. Le chariot élévateur à ciseaux. Le camion de pompiers. Et une pelleteuse avec un grappin. Bien joué l'avion. L'avion est à l'aéroport. Le moteur qui est en feu empêche l'avion d'atterrir. Ça n'a pas fonctionné. Essayons d'atterrir une deuxième fois. Penses-tu que l'avion va y arriver cette fois-ci? Yeah! Il a atterri! Le camion de pompiers va éteindre le feu dans le moteur de l'avion. Regarde toute cette mousse! Le feu est éteint! Nettoyons la mousse avec de l'eau. Excellent travail! Les passagers sont en sécurité maintenant. Ils quittent l'avion. Le remorqueur est prêt à faire son travail à présent. Il emmène l'avion dans le hangar. Ils vont réparer l'avion dans le hangar.
La pelleteuse utilise son grappin pour enlever le moteur qui a pris feu. Le chariot élévateur à ciseaux doit enlever l'ancien moteur et en ramener un nouveau. Le voilà, le nouveau moteur. Mettons-le en place. Le nouveau moteur s'adapte parfaitement. Sais-tu que les avions ne peuvent pas reculer tout seuls? Tous les avions ont besoin d'un remorqueur pour les faire sortir du hangar. Les passagers de l'avion montent à nouveau à bord. Le temps est beaucoup plus clément maintenant. Le vol devrait se dérouler en toute sécurité. Les véhicules d'assistance retournent à leur garage. Il est temps pour eux de se reposer. Ils auront de nouvelles missions demain. Véhicules d'assistance.